Salut à toi, cette vidéo est la suite d'un premier épisode dédié principalement à l'observation du chamois. Je t'invite donc à aller jeter un œil afin de ne pas rater le début de ce voyage. Dans cette deuxième capsule vidéo, je me tente à l'observation d'espèces un peu plus difficiles à trouver et, tu le verras, c'est une tâche un peu plus délicate. Mais bon, ça, je te laisse le loisir de le découvrir par toi-même. Les 5 jours passés dans les Vosges, 2 étaient consacrés au repérage et à l'observation des renards sur les plaines enneigées. Un challenge pour moi qui ne connais pas encore très bien les lieux, ainsi que les habitudes des espèces locales. Il y a vraiment énormément d'empreintes. Je crois qu'ici il y a vraiment un truc à faire, mais... C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de renard pour l'instant, en train de muloter. Ça aurait été vraiment sympa. Donc ici, je pense que je vais redescendre un petit peu en altitude et je vais me diriger vers des prairies. Et par rapport à mes connaissances du lieu, c'est compliqué de trouver les animaux. Et j'ai pas envie de les déranger en sortant des sentiers, donc on va essayer de redescendre un petit peu et on va faire des affûts plus posés. Le problème, c'est que j'étais à un endroit qui était beaucoup trop touristique. Et donc ici, j'ai fait un petit peu de repérage, chose que j'ai absolument pas fait avant de partir, parce que je suis parti sur un coup de tête, à côté d'un bosquet, c'est une prairie, il y a peu de passages. On va aller voir ce qu'il peut y avoir. Fidèle ami de l'observateur discret, le piège photo est un outil devenu incontournable afin de connaître les heures de passage des animaux qui peuplent les environs. J'en ai toujours un ou deux sur moi, au cas où il serait intéressant d'en poser un. Enfin, quand j'y arrive. Ce que j'aime particulièrement avec les Vosges, ce sont les surprises qu'elle se garde de nous dévoiler et qui ne se montrent que lorsque l'on porte un intérêt curieux envers ses secrets bien cachés.
C'est exactement ce que je cherchais comme indice. Du mulotage. Cette matinée sera marquée par l'absence des animaux. L'activité nocturne aura pourtant laissé de nouvelles empreintes au sol, laissant mon imagination, plus que mon appareil photo, réaliser des images dans ces décors enneigés. Mais au fil des années, et à force de côtoyer les animaux, j'en ai déduit plusieurs choses. Il faut assimiler cette idée que prendre du plaisir dans la quête nous rendra toujours plus heureux que d'espérer uniquement obtenir une rencontre. Car cette rencontre, c'est le fruit de nos recherches, avec bien sûr du hasard et de la chance. Mais parfois, ces quêtes nous demandent plus de temps qu'on ne voudrait en donner sans forcément les résultats qui suivent. C'est donc pourquoi il est important de profiter de toutes ces étapes qui précèdent ces fameuses rencontres et de s'imprégner des ambiances et des lieux qui nous entourent. Sur Piège Photo, je n'aurai malheureusement que quelques captures d'une espèce qu'on voit déjà bien assez dans la vie de tous les jours. J'aurais pu réaliser une dernière rencontre avec un chevreuil, profitant d'une nourriture plus accessible dans ces prairies où le soleil fait fondre la neige plus vite qu'ailleurs. Ces quelques jours passés dans les Vosges à observer les animaux ont été vraiment dépaysants. Je reviendrai bien sûr en ces lieux qui sont pour moi uniques, mais pour l'instant, je vous laisse sur cette dernière vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.